J'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bienvenue à toutes les personnes qui viennent à peine d'arriver. J'espère que mon contenu vous plaira. Restez pour en voir plus, bien évidemment. Gros big up à ceux qui sont toujours là, ça bouge pas. Alors aujourd'hui je suis très excitée de faire cette vidéo. Elle est assez particulière. Je saurais même pas comment rentrer dans le vif du sujet, parce que il y a tellement de choses à dire pour ce sujet, pour cette vidéo. Anyway, je pense que vous l'avez déjà vu dans le titre de ma vidéo, je suis sélectionnée pour le film. Oui, le film, c'est quoi? C'est un fashion show qui se déroule à Lomé, qui regroupe plein de créateurs de par le monde. J'ai toujours fait que des photos. J'étais très stressée, on va dire, par le fait de marcher devant des gens. Je m'imaginais trop le pire, de style, et si tu tombes, et si tu t'en mêles les pattes, tu te ramasses les pieds dans une longue robe. Bref, j'étais vraiment très frustrée, très stressée. Donc du coup, je me suis jamais lancée dans le mannequinat podium en mai 2020, je suis rentrée dans l'agence, dans mon agence de management standard communication, et ma manager a donc été très claire. Il fallait que je commence à défiler, il fallait que j'apprenne à tout prix, parce que le goal était que je participe au film. On a fait le casting il y a 2 semaines, et depuis la semaine dernière nous avons su, donc les sélectionnés, que nous sommes sélectionnés. Donc bien évidemment, ce n'est pas tout d'être sélectionné. Aujourd'hui j'ai encore des progrès à faire avant le film. J'ai le stress à gérer, j'ai mon mental à travailler, et je dois encore m'entraîner dans tous les cas. Donc je fais cette vidéo pour que vous me suivez donc le reste du temps jusqu'au film. On va dire qu'il me reste 3 semaines. J'aurai donc plein de choses à faire. J'ai des objectifs que j'espère atteindre. Donc vous allez me suivre en espérant que je les atteigne. Je dois donc m'entretenir physiquement, donc c'est-à-dire sport. J'ai repris le sport aujourd'hui. Je dois m'entretenir aussi au niveau apparence, donc esthéticienne, etc. Ok les pigeons. Je dois m'entretenir aussi, donc je disais, niveau apparence. Je dois travailler mon mental, bien évidemment, je dois également m'entraîner. C'est préparation au max, j'espère que ça va donner, ça va apporter ses fruits. En fait, pourquoi je reprends le sport? Parce que j'ai pris du poids, en fait. C'est ce que j'ai pris, un peu plus que je devrais prendre. Et je dois le perdre, parce que, en fait, j'ai perdu de l'équilibre quand je marche. Ça se remarque quand, en fait, on a perdu du muscle dans les cuisses, quoi. Donc je tremble un peu, donc il faut que je remuscle un peu mes jambes pour pouvoir tenir droite. Et surtout, c'est le moyen pour moi de pouvoir me préparer à tenir longtemps sur des talons du jour du défilé. Donc trêve de bavardage, je pense que je vous ai fait un petit sum up, j'avais pas le choix, hein. Il y avait plein de trucs à dire, donc maintenant let's go. Au moins, je te dis, le cours est à côté de toi là-bas. Même si tu veux, décale-toi, fais 200 pas, tu viens, tu tapes un peu. Même si c'est 15 minutes, ça va te faire quelque chose. On va attendre jusqu'à ce moment. Voilà, c'est dans ça là que je vais le cogner tout à l'heure. Hey. Tu vas me cogner, moi ouais. Tu vas me cogner. Tu verras ça. Je t'assure, je vais pas le faire. Attends, tu vas voir. La bouche, j'aime ça. Je suis sur l'esplanade des Palais des Congrès. Je vais m'entraîner là avec une fille que je suis en train d'attendre. D'ailleurs, Rosalie, where are you? Donc on va s'entraîner, on va marcher un peu, histoire de pouvoir s'entraîner en dehors des entraînements qu'on fait régulièrement les dimanches avec l'agence. Donc c'est vraiment histoire de vraiment se mettre dans le bain, de se préparer convenablement, comme je vous l'ai dit. On va essayer de faire ça
plusieurs fois dans la semaine. Que dire? Que dire de plus? Ah bon, il y a un petit coach qui est là. Voilà. Ridwan Boukhari. En fait, lui, il sera dans toutes mes vidéos. Je suis désolée si vous êtes fatigué de le voir, mais bon. Il est là. Il est là, c'est lui. Vas-y, comme. Hello, hello, il est 18h30. Aujourd'hui, c'est une salle. Je vais aller dans une salle pour la première fois. Ce sera ma première expérience dans cette salle. C'est Pitbull Gym qui se trouve au niveau du commissariat central pour les résidents togolais. Résident de Lomé, précisément. Voilà, je suis en train d'y aller, je suis un peu en retard. Il y avait une séance de CrossFit à 18h30, il est déjà 18h30. Bon, le retard est moins. Je suis assez contente parce que j'ai entendu que des bonnes choses. Donc, je vais tester aujourd'hui, je vais voir. J'espère y aller au moins 2 à 3 fois par semaine. Et puis bon, bah, on est motivé, quoi. On est dimanche aujourd'hui, c'est l'entraînement de fin de semaine, l'entraînement hebdomadaire. On est déjà arrivé, je me suis déjà échauffée. Je vais essayer de vous filmer un peu ce qui se passe ici, mais bon, basique, enfin, c'est que de l'entraînement en fait. Donc, ils veulent voir si on s'est entraîné dans la semaine, ce que moi j'ai fait. Et puis voilà, donc à toute. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, j'ai perdu un peu ma voix. Je pense que c'est la fatigue qui fait ça. Je suis très fatiguée. Ça fait seulement une semaine. Je mets ça sur le dos de la reprise. Je perds limite un peu de motivation. Ce matin, enfin aujourd'hui, on est lundi, donc deuxième semaine. Je me suis accordé toute une journée de
de break et like j'ai vraiment dormi like the whole day. Je suis un peu dégoûtée forcément parce que j'ai rien fait aujourd'hui. Là, je vais aller m'entraîner. Je pense que je suis allée un peu fort la semaine dernière, mais c'est le rythme que je veux avoir, donc je vais forcer mon corps à s'habituer. Il n'y a pas assez de temps pour que je fasse du sport, genre deux fois par semaine et tout. Il faut vraiment que je me donne à fond. Aujourd'hui, c'est un peu... c'est bof, quoi. J'ai pas trop de morale, là. Juste envie de dormir, de rien faire. Mais voilà, faut que je me motive. Donc voilà, je pense que ça ira mieux demain, je l'espère. Donc, souhaitez-moi bonne chance là où vous êtes. Enfin, bon, c'est sûr que la vidéo, elle sera déjà terminée quand vous la verrez. Mais voilà, je sais que... Juste pour le fait que je fais cette vidéo, je vais assurer. La fatigue est en train de littéralement casser ma voix. Je suis vraiment crevée. On est mardi. Je savais déjà ce que j'allais dire. Ça devait être un hi guys. Aujourd'hui c'est mardi, c'est self-care day. J'étais vraiment à fond, mais voyez-vous que je suis fatiguée. J'ai mal aux pieds. J'ai très très mal à la plante des pieds. Le fait de marcher très souvent avec des talons comme ça, c'est super éprouvant. Là, mes pieds, je pense qu'ils en peuvent plus. Mais bon, pour revenir au vif du sujet, effectivement, aujourd'hui c'est self-care day. Je vais à l'institut, je vais faire un soin du visage et je pense que je vais aller faire mes ongles également. Je fais les choses progressivement et franchement, je vous dis, si je pouvais like, arrêter le temps là tout de suite, que je dorme propre et après que je fais ce que j'ai à faire, parce que là, c'est incroyable en fait. Je suis trop fatiguée. Sinon que je suis déjà en habit de sport parce que aujourd'hui on est mardi, donc ce soir je vais à la salle. J'espère que je vais pas aller tomber là-bas, mais bon, dans tous les cas, normalement, ça devrait bien se passer parce que je suis une battante. Oui. Envoyez-moi de la force s'il vous plaît. Faut que j'y aille, faut que je bouge, faut que je fasse un truc. Je fatigue. Finalement, j'ai fait que mon visage. Je suis genre super contente. Genre, ça fait trop du bien. J'avais oublié à quel point ça faisait du bien. J'ai l'impression que genre, il y a un masque qui a été enlevé de tout mon visage. Je me sens genre dégagée, libérée de ouf. Parce que j'avais tellement la flemme en ce moment de faire le soin de mon visage et tout. Heureusement que j'ai cet institut. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, c'est mon institut partenaire. Là, vous avez vu comment j'étais avant et comment je suis maintenant. Je vous ai pas tout filmé parce que je me suis endormie pendant le son, sans mentir. Maintenant, j'ai une petite demi-heure avant d'aller à la salle. Je vais dormir parce que je suis trop fatiguée. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous explique tout de suite ce que j'ai sur ma tête. C'est un masque contre les boutons, des impuretés, bref, des imperfections. Je suis quand même à 24 heures du fimo. Oui, c'est vrai que ça fait un bout de temps que je vous ai pas keep updated. Mais il s'est avéré que je suis partie au Bénin pour des raisons personnelles entre temps.
Et j'y suis toujours. Je devais rentrer hier lundi, mais aujourd'hui mardi, j'y suis toujours. Et c'est demain mercredi, c'est bon, mais tout va bien, je gère. Pour l'instant, je ne stresse pas. Donc je suis en train de faire mon dernier masque. Il est super bien. Il est en vente chez Miss Joss. Enfin, moi, je me suis repérée chez Miss Joss. Là, je vais faire mes dernières courses. Je vais aller à un supermarché ici. Sinon, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai été très fatiguée. Je me suis entraînée. Je me suis mise dans la tête que voilà, il y avait un événement. Mais voilà, l'événement est quand même tombé très mal. Mentalement, je suis très fatiguée en ce moment. Ça nous arrive à tous. Hein. Je suis sûre que vous allez vous moquer de moi. Alors que je dis un truc sérieux. Hein. Avec ma tête, là, je suis pas très... Mais voilà, en ce moment, c'est vraiment la période difficile. Depuis le début de l'année, j'ai vraiment eu du mal. J'espère que ça ne va pas empiéter quand même sur ma façon de marcher ou voilà quoi, sur cet événement, parce que c'est quand même l'objectif depuis un an. Je me serais jamais dit, il y a un an en arrêt, je me serais jamais dit, mais Vanessa, aujourd'hui, tu allais être en train de semi-déprimer et ne pas te sentir bien mentalement, d'être vraiment fatiguée tout le temps et d'avoir du mal à gérer certains trucs. J'aurais pensé il y a un an que je serais déjà dans le mental du FIMO à fond dans les entraînements et tout. Ça a été le cas quand même. Je me suis refusée de laisser ce qui m'arrivait empiéter sur la manière dont j'allais m'entraîner, la manière dont j'allais me préparer. Donc je me suis préparée comme je voulais que je me prépare. Donc cette vidéo, je vous ai vraiment dit que j'allais tout vous montrer. Les trucs bizarres genre qu'on montre pas habituellement, genre ce masque il est vilain en fait. J'ai dit que j'allais tout vous montrer, j'allais tout vous dire comment ça s'est passé avant. Pour ceux qui ont remarqué jusqu'ici, j'ai foncé ma couleur. Je sais pas si vous allez voir. J'ai foncé parce que je ressemblais à un panneau stop en fait. J'ai été beaucoup trop rouge. Donc voilà, ça sera ma couleur jusqu'à ce que la couleur soit fatiguée de ma voix. Mais voilà, je suis plutôt contente quand même du résultat. Et c'est ce que je voulais en soi. Après, il faut me dire en commentaire si vous préférez avant ou après. Enfin, avant ou maintenant. Moi, personnellement, je préfère maintenant. Donc vous me dites. Donc dernière journée, je suis à 24 heures du FIMO. Je le répète parce qu'il faut réaliser en fait. Tout va bien se passer. J'ai tenu quand même à vous faire une vidéo après avoir enlevé le masque bizarre avec lequel je vous ai parlé tout à l'heure. Mais bon, là, je vais juste... comme je vous ai dit, je vais préparer encore... J'ai quelques petits trucs à faire avant demain. Sinon, que ceux qui regardent ma vidéo clandestinement, là, vous s'agirez de s'abonner, en fait. C'est archi pas gratuit ce que je suis en train de faire. Donc voilà, merci. C'était juste la petite parenthèse. Hello. Ok, on est le mercredi 17. Il est 7h30. C'est la première journée du festival. Enfin, genre on est le jour J en fait. Pour moi c'est le jour J parce que on va commencer les essayages, les répétitions, ça de ça. Donc waouh, la vidéo touche bientôt à sa fin. Pour ceux qui sont là jusqu'à maintenant, franchement chapeau, genre merci beaucoup. Pour faire un petit état des lieux, je suis pas stressée. Je pense que je serai stressée vraiment quand ce sera le vendredi, que je serai sur le podium, enfin que je vais sortir du podium. Donc ma première sortie, je pense que là le stress il va... Là c'est plus de l'excitation, de la curiosité, je veux voir comment ça va se passer. Je suis rentrée du Bénin hier à minuit. Je me suis couchée à 2h, 3h puisque j'avais plein de trucs à faire, ma valise, etc. Du coup bah, je me suis réveillée à 6h40 en sursaut parce que je crois que j'ai pas entendu mon réveil. Mais ça y est, je devais me réveiller à 6h30, donc ça va. Genre, on est là, quoi. On est arrivé, en fait. C'est ça. Bon, c'est le goal qui vient d'être réalisé. Franchement, merci à tous ceux qui ont cru en moi, qui savaient que j'allais le faire depuis le début, même quand moi, je croyais pas. C'est-à-dire que l'année dernière, je suis partie au FIMO, je suis partie avec des gens qui m'ont dit « Mais toi, tu dois le faire. » Je t'en mode « Non, mais je sais pas marcher et tout. » Du coup, je me suis entraînée et me voilà aujourd'hui. Je fais partie des mannequins du FIMO, donc juste de l'autre côté de la scène. Donc, voilà, je suis super contente et... Que dire de plus. J'espère pouvoir vous montrer quand même un bout du défilé, ça serait super sympa. Donc, gros love. So I'm Gibraltar, and I have. Why?
Mais tu souris trop là. Mais c'est normal, je suis à côté de toi. Wow. Blanc, I look so black. So amazing on this video. Que pour la femme. Voici les looks de sa collection féminine, collection majestique. Le wax est à l'honneur dans cette collection signée Crédania. Sur du coton, coco d'Inda sur des matières fluides et dans un style très moderne pour hommes et femmes. Collection à jamais 2021. Bien sûr, et Chris Wallace. Musique et que la fête soit belle. On va mettre le feu sur ce showdown ce soir. Vive le pic.